heureux de vous retrouver en Alsace pour vos nouvelles échappées belles. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une exploration inédite. On va partir découvrir l'Alsace à travers ses villages. Il paraît que ces écrins sont les gardiens de l'âme et des traditions alsaciennes et de village en village, des passionnés m'attendent pour me présenter les secrets les mieux gardés de cette région. Ce qui m'intrigue avec eux, c'est aussi qu'ils réalisent le rêve de plus de 80% des Français, vivre à la campagne. Alors j'ai envie de savoir ce qui les rend heureux dans ce choix de vie. Et pour tout vous dire, j'ai vraiment hâte de leur poser cette question et de découvrir le meilleur de l'Alsace avec eux. Alors paré pour l'aventure, c'est parti! L'Alsace se découvre de village en village. Je trouve que ces maisons, elles dégagent quelque chose et... On s'y sent bien. Ouais, on s'y sent bien. Ouais. Les gens, en général, ils disent que c'est une corvée, tellement de fleurs. C'est pas vrai, c'est pas une corvée. Eh, ça te ragaillir, dit un bonhomme. Des villages qui font la fierté des Alsaciens. C'est vrai que ma maison n'a jamais été autant photographiée que depuis que j'ai ce lit. Ça fait quelque chose de quand même super, quoi. Et qui les rendent heureux. Sébastien, veux-tu continuer de donner le meilleur de toi à Christelle tous les jours de ta vie? C'est important pour le village parce que c'est vraiment aussi un moment d'échange, de lien entre les gens, quoi. Un bonheur qui se décline à l'infini. Il nous reste plus qu'à les déguster, ces bretzels, maintenant. Merci beaucoup. Merci, Franck. Et qui se partage. Okay. Ici, c'est parfait. C'est le meilleur vin blanc du monde. Et là, c'est plus de la cuisine, c'est de la magie. Mm. Et côté sensation, atterrissage en douceur dans les vignes. Hey, Ismaël est toujours partant. Regarde la belle vue. Ismaël Khalifa va maintenant profiter de la douceur de vivre alsacienne. Le voici parti sur les petites routes bordées de vignes, à la recherche d'une certaine douceur de vivre. Première étape de cette échappée belle de village en village, l'incontournable Eggisheim. Notre voyageur a été invité par Mathieu, vigneron passionné, reconnaissable à son triporteur. Salut Thierry. Salut Mathieu. Je te ramène les caisses de Riesling. Sans aucun problème, avec grand plaisir. Tu veux un coup de main pour les autres? Allons-y. Mathieu? Oui. Ah! Salut Ismaël. Salut. Ça va bien? Oui, ça va et toi? Bien arrivé? Bah écoute, super. T'as encore des caisses à livrer ce matin? Bah oui, en fait, je suis vigneron à Eggisheim, mais là, j'ai encore deux restaurants à livrer. Mathieu, je prends et puis je te dis alors à la prochaine. Bon séjour à Eggisheim, Ismaël. Oui, salut. Ça marche. Alors comment tu prononces le nom de ton village? C'est Eggisheim ou Eggisheim? Alors c'est Eggisheim en fait. C'est un village médiéval. La plupart des maisons étaient construites au 16e et au 17e siècle. Et aujourd'hui on a 1800 habitants. Et tu dis que c'est médiéval, mais ça veut dire qu'il y avait une présence ici assez ancienne alors? Ah ben en fait le château Saint-Léon a été construit au 8e siècle. D'accord. Voilà, et en fait on a de la chance, on a vraiment été préservé des deux guerres mondiales et le village est resté intact. Ah c'est absolument magnifique hein. C'est vraiment une plongée directe dans l'Alsace, les petites maisons à colombages, là, on les toits en tuiles, les façades colorées, c'est parfait. Et les cigognes. Et les cigognes, et oui, il y a des cigognes sur les toits. Hop. Je te laisse reprendre le carton. Salut Olivier. Salut Mathieu. Hop. Impec. Allez hop, attention. Ouais, ouais, faut pas se cogner la tête. Ah oui, tu vois, j'ai déjà vu des étoiles ici. Je vais te garer juste là. Merci beaucoup. Bonjour. Salut Séverine. Ça va. Voilà. Ça va, il en restait encore un peu. À bientôt. Bon alors Mathieu, je suis sûr que tu penses que tu habites le plus beau village d'Alsace, non? Ah ben j'en suis même certain. Attention, parce que je vais poser la question dans tous les villages, j'en ai beaucoup. Tu auras la même réponse à mon avis que c'est Eggisheim le plus beau. Ouais, c'est ça.
Impeccable. Bon, bah maintenant qu'on a travaillé un petit peu, je vais aller te montrer ta chambre. C'est la maison familiale, là, de 1561, ouais. Et qu'on a transformée, on a fait des chambres d'hôtes. Ah oui, donc tu es vigneron et hôtelier, en quelque sorte. Et un petit peu hôtelier, c'est plus ma femme qui s'occupe de ça. Stéphanie, enchantée. Alors. Salut. On se fait la bise. Oui. Bienvenue chez nous. Merci, il fait frais ici. Donc ah, c'est la pièce la plus agréable de la maison. C'est un ancien cellier, garde-manger. Ils y ont peut-être vinifié aussi, fut un temps, je ne sais pas. Ah oui, parce que dans cette maison, tout était lié au vin avant. Ah bah oui, oui c'est une des anciennes caves du domaine qu'on a rénovées pour les petits déjeuners. Oui. Et toi, tu as grandi dans cette maison? Non, c'est mon père et mes ancêtres qui ont vécu dans cette maison. Nous, on a vécu un peu plus à l'extérieur du village. Et là, nous, depuis qu'on est mariés, on a retapé la maison et on s'est installé de nouveau dans la maison familiale. Je vais t'installer, si tu veux. Eh bien, avec plaisir, voilà. Stéphanie. On va passer le long des coursives. Je t'ai installé dans la chambre boisée. Il fait assez frais et elle est bien spacieuse. Voilà, je t'en prie. C'est super agréable. Ouais. C'est je adorable. Je te confie la clé. Merci. Je te dis à tout à l'heure. Oui, bonne ça installation. Marche. Merci, à tout à l'heure, Stéphanie. Avec plaisir. La réputation des villages alsaciens n'est plus à faire. Cossus, décorés avec soin, entourés de vignes ou de collines, des bourgades de cartes postales. S'ils sont si beaux, c'est qu'ils sont habités par des villageois passionnés par leur région et leur patrimoine. Les villages alsaciens, ce sont les couleurs, c'est le fleurissement, ce sont les traditions. Les villages alsaciens, c'est le folklore, les traditions et la danse. Les villages alsaciens, c'est surtout leur maison à colombages. Les toits rouges. Et le bois qui est omniprésent. Dès l'entrée, les villages alsaciens annoncent la couleur. Ici, on aime les fleurs. Si tu as un sécateur éventuellement en vitesse juste pour enlever les fanées qui sont dessus. Ce matin, à Mussig, tous les agents municipaux sont sur le pont. Sur cet espace-là, c'est bien, vous avez bien nettoyé, c'est impeccable. Dans quelques minutes, un jury viendra examiner les décorations florales du village. L'aboutissement d'un an de travail. L'Alsace a été la première région de France à faire du fleurissement à grande échelle. Ça a toujours été le cas au niveau des particuliers, ça l'est devenu de plus en plus aussi au niveau des communes. Les premières communes qui ont été labellisées quatre fleurs, ce sont des communes alsaciennes. C'est une vraie carte de visite. D'autres régions nous envient pour cela. Dans le jury, des élus locaux et des paysagistes inspectent les compositions sous toutes les coutures. Année après année, ils constatent que le niveau s'élève. Ça fait partie du caractère de l'Alsacien qui aime bien que les choses soient faites dans les règles de l'art et qui est très, très discipliné et puis qui aime faire plaisir aussi aux autres parce que je dis souvent la personne qui fleurit, c'est pas seulement pour elle, mais ça fait aussi plaisir à ceux qui sont autour. Les fleurs ne sont pas l'apanage de la mairie, les particuliers aussi rivalisent de créativité. À Mussig toujours, la ferme de M. Goetz est connue pour ses géraniums. Il s'en occupe toute l'année. Chaque jour, il leur consacre plus d'une heure de son temps. Les gens, en général, ils disent que c'est une corvée, tellement de fleurs. C'est pas vrai, c'est pas une corvée. Quand on a des fleurs comme ça, ça te ragaillardit un bonhomme. J'ai 70 ans, mais je sens que j'en ai 30 ou 40. Et c'est formidable, ça. Vous voyez? Et ça, pour le moral, c'est unique. Autre incontournable du village alsacien, les maisons à colombages. Et pourtant, ce patrimoine est en danger. Cher à l'entretien, trop sombre, pas assez pratique, beaucoup sont abandonnés. Heureusement, certains Alsaciens y sont attachés. Aymeric et Delphine ont cherché la perle rare pendant 2 ans. Pour nous, c'était important de se sentir bien là où on vit. Et je trouve que ces maisons, elles dégagent quelque chose et... On s'y sent bien. Ouais, on s'y sent bien, ouais.
C'était important, je veux dire, de ne pas avoir une maison alsacienne au milieu d'un lotissement neuf, en fait. Ça aurait fait un peu tâche. Et on voulait justement avoir des maisons à colombages autour de nous, un peu partout. Hein. Ouais. Retrouver cet esprit alsacien, vraiment. Ouais. Jusqu'à trouver celle-ci, dans le village de Lampersloch. Ils l'ont achetée en moins d'une heure. Un coup de cœur. Cette maison, elle date de 1711. Donc on peut se dire qu'en 300 ans, il y a déjà beaucoup de choses qui ont eu lieu dans cette maison. Il y a eu des naissances, des mariages, des heureux événements. Sûrement d'autres un petit peu moins heureux aussi. Mais je trouve ça chouette, en fait, et de partager ça maintenant, nous aussi, avec notre famille, et d'investir ces murs, hein, à notre tour. Ouais. Mais pour pouvoir y vivre, il a fallu se retrousser les manches. Depuis 5 ans, week-end après week-end, ils rénovent la maison de leurs rêves. Un travail de titan. On a descendu plus de 8000 tuiles à la main avec des potes. On était une bonne quinzaine, on a fait ça un dimanche. Et après, pendant plus de 4 mois, on a brossé les tuiles. Donc ça a été un peu du sport. Dans quelques semaines, la maison devrait être prête pour l'arrivée du bébé. Un soir par semaine, l'accordéon résonne à Berchtet, à côté de Strasbourg. On ne bretonne pas. Le GAP, groupe d'art populaire, a été fondé en 1938 pour préserver les traditions alsaciennes. Malgré ses 90 ans d'existence, la troupe affiche une insolente jeunesse. C'est sûr, c'est pas forcément évident au départ quand on a 14-15 ans de dire ouais je fais de la danse folklorique quand les copains ils font du foot et du basket. Il faut juste faire découvrir aux copains ce que c'est et puis généralement ils voient que c'est assez sportif aussi. La troupe amateur se produit dans des festivals partout en France mais aussi à l'étranger. Mariage, moisson, carnaval, ces danses traditionnelles racontent les épisodes marquants de la vie d'autrefois dans la campagne alsacienne. Mais pour la chorégraphe de la troupe, ce folklore n'est pas figé. La tradition évolue. Il ne faut pas se contenter de des danses qu'on a toujours faites. C'est pour ça qu'au GAP, on fait des danses nouvelles. Je fais des chorégraphies en m'inspirant de ce qu'on faisait autrefois, mais en rajoutant une touche de modernité. Et je crois que cette modernité, c'est aussi important. Il faut absolument que les choses avancent. Grâce à ces passionnés, les villages alsaciens ont su garder une identité qui fait le bonheur des habitants et des visiteurs. Premier réveil dans ce beau village d'Eggisheim. L'architecture, les gens, tout est tellement marqué. Il y a une véritable identité, beaucoup de couleurs. J'ai la sensation d'être un peu au bout du monde. Salut Ismaël. Hey, salut Mathieu. Ça va bien? Et toi? Bien dormi? Écoute, merveilleusement bien, ouais. Ah. C'est tellement calme, tellement silencieux. C'est agréable, hein, cette ambiance de village au petit matin, là. Mais tu veux que je te montre un peu les coulisses du village? Ouais, ok. Bon, j'imagine que tu connais tout le monde ici, Mathieu. Ah bah ici, le village est tout petit, hein. Tout le monde se connaît. Là, on est juste devant la boulangerie Marx, c'est avec Franck qui est le roi de la bretzel. D'ailleurs, ça se trouve, il est peut-être là. Ah bah oui. Salut Franck. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Bah, comme tous les jours, des bretzels. La bretzel. Ou le bretzel. Le bretzel. Alors, on dit le ou là? On peut dire les deux. Oh bah c'est bien, c'est diplomatique au moins. Mais nous, on préfère le. Le bretzel. T'en fais combien chaque jour, Franck? Environ 500. Et tu fais ça depuis longtemps alors? Disons que j'ai commencé mon apprentissage ici, à l'âge de 14 ans. À 14 ans, ok. Ah ouais.
Et là, on a repris l'affaire de mon beau-père en 2006. Ça veut dire que t'as épousé la fille de ton patron? Oui. Ah bah voilà. J'ai la fille de mon patron. On a les potins du village. Donc là, on a les futurs bretzel. Tu fais ça tellement vite. Oui, il faut un mode d'emploi, tu vois. Tu me donnes une notice. De toute façon, c'est les 10 premiers les plus durs. Ouais. Après, ça roule. Les 440 d'après, ça va. C'est ça. Et c'est quoi l'origine du bretzel, Franck ? Il y a le petit boulanger du village qui était amoureux de la fille du seigneur. Et comme le seigneur, ça lui plaisait pas, il l'a mis en prison. Et il lui a dit, tu auras le droit de sortir le jour où tu me fabriqueras un petit gâteau où je peux voir 3 fois le soleil à travers. Du coup, il a inventé le bretzel. Donc, on peut bien voir que on peut regarder 3 fois le soleil. Oui, dans le bretzel. C'est vrai. Elle est belle, cette histoire. Donc, il y a une histoire d'amour, même derrière le bretzel, alors. Des histoires d'amour, il y en a partout. Il y en a même une dans cette boulangerie. Oui, hein. C'est vrai. C'est vrai aussi. Je peux essayer? Mais je t'en prie. Les mains sur le côté, là, comme ouais. Ça. Donc, tu... Non, pousse bien fort, hein. Il va pas, ah ouais. Il va pas crier. Il vraiment appuyer. Ouais. Ah ouais, ouais, tu peux appuyer. Oula. D'accord. Dans un grand mouvement. Donc là, la petite boucle. Un peu petit. Un peu petit, hein. Un mini bretzel. Ouais. Ça me rassure que je l'ai fait quand même encore assez bien. Ouais, merci. C'est vraiment sympa. Alors, voyons voir ça. Ah bah, nickel. Waouh. Regarde-moi ça, si c'est pas bon. Il nous reste plus qu'à les déguster, ces bretzels, maintenant. Merci beaucoup. Merci, Franck. On va goûter ça sur la place. La première bretzel, faut la goûter sur la place Saint-Léon, parce que c'est là qu'il y a toutes les fêtes du village. Ok, bah ça marche. Bonjour. Très Franck, bien. Bonne journée. À bientôt. Salut. Salut, Franck. Bon, on le goûte ce bretzel ? Allez. Allez, on trinque. C'est fondant, c'est craquant. Et puis alors, la fleur de sel, là, extraordinaire. C'est ce qu'on dit. Il n'y a pas mieux. Et alors, manger ça ici, quand même. C'est idyllique. Hein. Ouais. Après, c'est la place centrale du village. Hein. Tout le village s'est construit autour de l'enceinte du château. Le premier rempart, le deuxième rempart. Et là, on a la fontaine du pape Saint-Léon d'Apt, qui a été nommé pape en 1048, et qui est en fait Bruno d'Eguisheim, qui est né ici à Eguisheim en 1002. Ah, donc vous avez un pape qui est originaire du village, carrément. Exact. Et on a la chapelle à son honneur. On est vraiment dans le cœur de l'ancien village, avec le rempart, avec les anciennes maisons, les anciennes granges. Les maisons alsaciennes ont toutes plus ou moins cette architecture avec des colombages, pour plusieurs raisons, pour être plus facilement monté, démonté. Mais surtout aussi, il y a une raison, c'est que l'Alsace, c'est une des régions les plus sismiques de France. Ça bouge tout le temps sur la faille rénale. Ces colombages permettent d'absorber les mouvements terrestres. Au-dessus de chaque porte voûtée, on a les initiales de la personne qui a construit la maison, son armoirie au niveau de son métier. 1599, c'est l'année de construction. Et là, c'est les armoiries d'un tonnelier. Il y en avait, je crois qu'il y en avait 5 ou 6 dans le village à l'époque. Toutes les maisons, en fait, faisaient du vin. De ce côté, il y avait l'habitation, avec les caves en dessous. Et en face, on avait les tables et la grange pour le foin et puis les céréales, quoi. Et ils vivaient de la polyculture. Mmh. Et en fait, chacun faisait son petit vin et le négociant passait dans la rue avec ses chevaux et sa charrette, et il achetait les vins aux habitants du village. Quoi. Nous, on est vignerons à Eguisheim depuis 1610. Donc, moi, je suis la 12e génération. Bon, en tout cas, je trouve ça vachement classe de pouvoir dire « Moi, je suis vigneron depuis 12 générations. Ouais. » Non, c'est non, vrai. Vraiment. C'est très classe. On peut en être fier, c'est vrai. Il faut en être fier. Je t'emmène voir le vignoble ? Allez, on y va. C'est parti. J'adore cette voiture, moi. Thank you.
que le chic du chic, c'est quand même les sièges en sky avec la moumoute par-dessus. Non, mais là, c'est bien parce qu'en plus, il fait frais, ça nous réchauffe bien. J'ai l'impression d'être dans les années 60, là, tu sais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a Louis de Funès qui va surgir derrière. Oh là là, c'est superbe. Et toi alors, ta parcelle de vigne, elle est juste à la sortie du village? C'est pas ma parcelle de vigne, c'est mes parcelles de vigne en fait. Moi j'ai 53 parcelles de vigne. Okay. En fait, en Alsace, on n'a pas du tout un vignoble qui est d'un seul tenant comme dans le Bordelais, où les vignes sont autour du château. Là, on a vraiment partout des petites parcelles, à gauche, à droite. Moi, c'est étalé sur 25 km de vignoble, quoi. Pourquoi est-ce que c'est éclaté comme ça et vous ne faites pas un domaine? Les terroirs alsaciens, c'est vraiment une mosaïque de sol. On a vraiment une énorme complexité de sol. Il y a des secteurs plus en coteaux qui seront mieux pour le Gewürztraminer, le Pinot Gris. La plaine, ce sera plus des cépages comme le Pinot, le Chardonnay pour faire des créments. Et mi-coteaux, on a un petit peu tout le reste. En fait, chaque coteau va donner une autre expression au vin. Et voilà. Aujourd'hui, nous, on a 14 hectares de vignes qu'on travaille en agriculture biologique depuis 2001. Et aujourd'hui, la moitié du village d'Eggisheim est en bio. Là, on est en plein début de véraison. Ça veut dire que la grappe est en train de changer de couleur. Là, c'est le Gewürztraminer, ça va partir vers le rose. En fait, c'est les différents stades. Le bois, tu vois, il est encore souple. Et maintenant, il va commencer à se durcir et à devenir vraiment du vrai bois. Ça passe d'un rameau à un sarment de bois. Pour savoir si le raisin il est mûr, on va le prendre en bouche. Et on va tester aussi le pépin. Ah. Tu vois là, les pépins ils sont encore verts. D'accord. Et quand les pépins seront vraiment bruns, quand il sera mûr, il aura plutôt un petit goût de noisette. Je goûterais bien un petit grain. On va voir le goût que ça. Là, il y en a un qui est bientôt mûr. C'est un peu sucré, c'est pas trop acide. C'est le début. Bien. C'est que le début. Gewürz, ça va être... Normalement, c'est une explosion de saveurs et d'arômes. Salut la petite famille! Tout se passe bien? Impeccable. Bah, ça se passe divinement bien. On a la belle lumière sur les vignes, là. C'est vrai que c'est magnifique. On est gâtés, hein. Est superbe. On vous a amené de quoi vous rafraîchir et sympa. Vous restaurer aussi. Je vais peut-être te prendre ça. Hein. Ouais, je veux bien, avec plaisir. Bonjour. On se met là? Ouais. Il y a même la petite nappe, génial. Et c'est l'organisation à l'alsacienne. Ouais, je vois ça. On a ramené les spécialités alsaciennes les plus connues, donc le fameux Kouglop. On a apporté les bretzel que vous avez d'ailleurs confectionnées ce matin. Elle est où la tienne? Elles sont quasiment où la tienne qui n'est pas croisée? Non, il cherche le moins beau pour dire que c'est moi qui l'ai fait. La miche de pain pour le foie gras. C'est pas en Alsace que je vais perdre des kilos au moins. Et vous aimeriez qu'un de vos garçons continue l'aventure, qu'il y ait une 13e génération de vignerons dans la famille? Comme dit, être vigneron, c'est avant tout, c'est une passion. Et il faut développer cette passion pour le faire. Après, on va essayer de la transmettre. Mais... Ouais. On veut surtout, avant tout, que nos enfants soient heureux et épanouis dans leur vie professionnelle. Alors, je crois que si tu veux rendre Léon heureux, là, il faut lui donner à manger. Faut que je le Ah là là. Okay. Bon, bah alors, comment vous dites? Skelt. Allez, Skelt. Skelt. On est presque prêt à décoller. 6 heures du matin, la lumière et la quiétude de l'aube. Les conditions idéales pour embarquer dans la nacelle et découvrir cette fameuse route des vins d'Alsace. On va essayer de passer à proximité des grands crus. Donc on a le Brand, là-bas on a le Letzenberg. Le Sommerberg se trouve juste en face et sur le côté, le grand cru de Dingersheim, qui est le Florimont. À 360 degrés, une mosaïque de parcelles pour autant de cépages, de terroirs et de saveurs. Vue du ciel, une merveille.
même pour ceux qui connaissent l'Alsace par cœur. C'est ici que je viens me promener régulièrement. Je pars de la ville et je monte vers ces châteaux, je traverse le vignoble. C'est vraiment superbe, superbe. Atterrissage en douceur dans les vignes. Ça mérite un petit verre de grand cru, mais à cette heure-ci, c'est un peu tôt quand même. Hop ! Eh ben vous voilà, allez ! C'est la tradition après chaque vol. Une coupette et une douche de crémant, le champagne alsacien. La route des vins forme un chapelet des plus beaux villages alsaciens. Aubernais, Ribeauvillé ou ici Riquewihr. Elle en traverse 67 en tout. Un patrimoine exceptionnel bâti grâce au vin. Hier, le vin a fait la richesse de la région. Aujourd'hui, il est le moteur de son tourisme. 2 millions de visiteurs parcourent ces vignes chaque année. Et les plus courageux sont à vélo. Il y a un bon monde pour aller à Riquewihr à la fin de la journée. Il va faire très chaud en plus. Mais c'est bien. Glenn Ford est probablement le plus british des Alsaciens. Il y a 25 ans, il est tombé amoureux de l'Alsace. Là, nous sommes en train de traverser le Grand Cru de Turckheim. L'ancien ingénieur a changé de vie. Il est désormais guide à vélo dans le vignoble. One, two, three. Riesling. Dans les années 90, c'était pas très connu par les Anglais, par les Américains, par les Canadiens, mais petit à petit, ça devient plus connu parce que c'est une super belle région. Et c'est un de les meilleurs que je connais pour faire de vélo, pour le randonnée. Et bien sûr, le vin. Et si on aime le vin blanc, c'est ici, c'est parfait. C'est le meilleur vin blanc du monde. On y va, allons-y. Hop le guys, we're going. Aujourd'hui, Glenn accompagne ce couple de Nouvelle-Zélande à la rencontre d'un vigneron et d'un œnologue. Rendez-vous au château du Vinec, juste au-dessus du village de Katzenthal. Étape incontournable de la route des vins. Vous êtes au pied d'une ruine d'un château médiéval qui a été construit au début du XIIIe siècle. La particularité de ce château, hein, du XIIIe siècle, c'est qu'il est depuis toujours, il a été entouré de vignes. Sur la route des vins d'Alsace, nul ne peut échapper à la dégustation. Pour l'œnologue, avant de goûter le vin, il faut goûter le fruit. Allez-y, profitez-en. Thank you. Le Riesling, c'est le roi des cépages alsaciens. Et le Gewürztraminer Saint-Minaire qu'on vient de goûter à l'instant, c'est l'empereur, lui, bien sûr. Il est plus massif, plus volumineux, plus colossal. Dernière étape dans l'un de ces villages qui s'est construit sur l'activité vinicole. C'est l'entrée d'Amerschwihr. Même la vigne pousse dans les rues. On descend un peu dans les entrées. À Amerschwihr, le vin est partout et depuis longtemps. La cave du domaine Kuhn date de 1675. C'est l'une des plus anciennes d'Alsace. Voici la forme typique des bouteilles d'Alsace. Et celle-ci, c'est la plus vieille bouteille que l'on possède à la cave, 1925. En Nouvelle-Zélande, l'industrie du vin est très jeune. Alors voir tous ces vins, c'est très intéressant, et aussi toute cette histoire. Nous n'avons pas chez nous de si vieilles caves souterraines. Pour les amateurs, la dégustation est un voyage sensoriel. Ça c'est bon, hein. Et il y a plusieurs méthodes pour mettre ses sens en éveil. Au-dessus de Kainsheim, un vigneron propose un étrange rituel au soleil couchant. On inspire, et quand on l'a, on expire, on descend, voilà, tu penches un peu en avant. Une leçon de Qigong au milieu de ses vignes. Le Qigong, c'est vraiment un art énergétique chinois qui nous pousse à la détente et à faire circuler des énergies dans le corps. Et quand on ressent le vin, on utilise beaucoup la respiration abdominale, tu vois. Et là, tu vas sentir l'ouverture du vin dans la bouche. On cherche les verres et on va goûter deux vins. Là, on va parler aux émotions. Merci. On va parler à votre sensibilité. Merci. C'est une sensation de délicatesse, tu vois. C'est vraiment du féminin, mais poussé à son sommet. Vous voyez ces deux vignes qui sont à 500 mètres d'écart. Au lieu d'être réduit simplement à un goût, on est vraiment dans
la perception très subtile de tout ce que l'on ressent. Et j'ai adoré l'expérience. Merci beaucoup. Merci à tous pour ce partage. Merci pour votre participation. Salut Ismaël, tu vas bien? Ben ça va très bien, et toi? Merci, très bien. Bienvenue au château du Haut-Königsbourg. Wow. Alors là, Jean, je suis complètement estomaqué. Ah oui. Mais c'est tellement massif. Il est hallucinant, ce château. Ah, il impressionne, le visiteur. Le château fait 270 mètres de long, hein. Véritablement construit au sommet de cette montagne, hein, sur un éperon rocheux. C'est un château que l'on voit de loin. Plus votre château est grand, hein, plus le seigneur qui l'occupe est puissant et rayonne sur son territoire. Mais alors, il a été construit quand, ce château? Alors, il a été construit au XIIe siècle. À l'époque, l'Alsace faisait partie du Saint-Empire romain germanique, l'ancêtre de l'Allemagne. Et au XIIe siècle, la famille de Hohenstaufen, qui régnait sur l'Empire, décide de construire ici un château pour en faire un endroit d'observation au-dessus des vallées environnantes. Pas facile de circuler dans le château. Et non, il y a énormément de monde. Avancez un petit peu, alors on va passer par la chambre Lorraine. Vous avez combien de visiteurs ici, chaque année? Alors chaque année, entre 500 000 et 550 000 visiteurs. C'est l'un des lieux les plus visités d'Alsace, l'un des châteaux forts les plus visités de France également. Donc c'est un lieu... C'est un haut lieu touristique. Ouais, exactement. Ouais. Mais Jean, ce château, il est au croisement de toute l'histoire de l'Alsace, des guerres fratricides entre la France et l'Allemagne, non? Ah oui, oui, c'est un château extrêmement paradoxal, hein, je le dis souvent à mes visiteurs, c'est le plus allemand des châteaux français, c'est-à-dire que dès que ce château a été construit au XIIe siècle, reconstruit au XVe siècle, détruit au XVIIe siècle et reconstruit en 1900-1908, c'était soit pendant une période allemande, ou germanique. Cette culture germanique, Jean, elle est toujours présente dans la vie des gens en Alsace. Essayer de prononcer le nom de certains villages, hein, pour les personnes qui ne sont pas d'ici, c'est pas facile du tout. Hein. Je te le confirme. Ouais. Oui, tu as bien vu en arrivant, hein, les villages que tu as traversés. On ne citera pas d'exemple, hein, pour vexer personne. Exactement. Mais oui, effectivement, l'Alsace est encore aujourd'hui bien imprégnée de culture et de tempérament germanique. Il y a aussi, on aurait en Alsace un tempérament un peu plus carré que dans le reste de la France, là aussi sans vexer personne. Mais oui, 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 c'est vrai. Alors Ismaël, je t'ai réservé une petite surprise. Ah ! Attention aux escaliers. Voilà, nous y sommes. Je ferme. Une bonne porte est une porte fermée. Nous sommes dans les combles du haut logis du château. La particularité de cet endroit, c'est bien sûr qu'il est inaccessible aux visiteurs et c'est qu'on peut y avoir des points de vue assez sympathiques sur les environs. Un petit aperçu de la vue. Oh là là! C'est dingue! Ouais.
C'est l'une des plus belles vues d'Alsace, ça, non? Oui. Oh là là, ah, oui. Wow. Une vue très impressionnante sur la forêt, les vignes, les villages. Il y a Berkheim, Ribeauvillé, il y a également Zellenberg, il y a Beblenheim, Mittelwier. Donc ce sont voilà, les villages de la route des vins d'Alsace, ouais. côté Haut-Rhin. En tout cas, merci de m'avoir amené là, Jean, parce que tu m'avais dit une petite surprise, c'est une énorme surprise. Bah écoute, tout le plaisir est pour moi, hein. C'est un endroit que j'affectionne également particulièrement. Hein. Je ne m'en lasse pas. C'est fabuleux. La cigogne est l'emblème de l'Alsace. 900 couples nichent dans la région chaque année après avoir passé l'hiver en Afrique. Le 20e qui est là-haut et a priori trois petits ici et trois petits ici. Patrick Barbier est le maire de Mutterscholz, l'une des communes d'Alsace où l'on trouve le plus de cigognes. Cette année, une centaine y ont élu domicile. Et elles n'ont pas choisi ce village par hasard. Mutterscholz est au cœur d'une vaste zone humide. On a des très belles prairies inondables, humides, dans lesquelles il y a une riche biodiversité qui est la base de la nourriture des cigognes. Les cigognes se nourrissent d'insectes, de batraciens, de petits oiseaux de temps en temps. Elles sont omnivores. Et donc ici, elles trouvent de quoi se nourrir, d'où le fait qu'on en ait peut-être plus ici que dans d'autres villages. Les cigognes, qui avaient presque disparu d'Alsace dans les années 70, sont le symbole d'une réintroduction réussie. Mais leur multiplication ne va pas sans poser quelques problèmes. Oui, Patrick, tu vois, le problème que moi j'ai, c'est que le nid, il dépasse le pignon de la maison. Et donc, tu as pas mal de branchages qui tombent. Donc, il faudrait mieux que les passants ne soient pas touchés. D'autant qu'un nid peut mesurer 1 mètre de hauteur et peser jusqu'à 1 tonne. Mais comme l'espèce est protégée, on ne peut pas déplacer les nids comme on veut. Une réalité qui finalement satisfait les habitants. C'est vrai que ma maison n'a jamais été autant photographiée depuis que j'ai ce nid. Ça fait quelque chose de quand même super, quoi. Sur l'ensemble, c'est vrai que c'est sympa, quoi. Si les cigognes se sont bien adaptées, il n'en va pas de même de tous les oiseaux de la région. L'agriculture intensive et l'urbanisation grignotent leur habitat naturel. Le village de Ringendorf a réussi à préserver ses vergers. C'est là que niche un petit rapace, la chouette chevêche. Dominique et Jean-Marc sont bénévoles au sein de la Ligue de protection des oiseaux. Ils vont recenser les oisillons qui viennent de naître. Ah, il y a du beau monde. Ah, il y en a 1, 2, 3, probablement 4, bien emplumés. Donc ils ont le bon âge pour être bagués. Ah, ils sont bien emplumés. L'avantage avec les oiseaux, c'est qu'ils n'ont pas d'odorat ou très faiblement développé. Et du coup, on peut les manipuler sans problème. Il n'y a pas de risque d'abandon des poussins par les adultes. Voilà, tu peux refermer le couvercle. Dominique et Jean-Marc ont pour mission de mesurer, peser et baguer les nouveau-nés. Cette collecte de données permettra le suivi de l'espèce aujourd'hui menacée sur plusieurs années. 132 grammes la masse. Ouais. 45,7 tête-bec millimètre. Dans ces bergers, il y a également du pivert, il y a du torcol et la présence de la chevêche est synonyme de présence d'autres espèces. Les nichoirs ont été installés pour aider la chouette à vivre dans ces vergers où elle trouve la nourriture qu'il lui faut. Elle mange des insectes et des campagnols qu'elle chasse à la tombée de la nuit. La population est remontée depuis une trentaine d'années maintenant et actuellement les estimations sont à peu près de 500 couples pour l'Alsace. Donc on est parti d'à peu près 150 il y a 25 ans. Et actuellement, donc on est dans la dynamique positive. L'espèce croît d'année en année en Alsace.
Donc c'est pas un coup de serre. Et voilà, allez, c'est réglé. L'Alsace accueille de nombreux migrateurs. Certaines oies sauvages y passent l'hiver. Et parfois, au détour d'un pré, on peut en apercevoir. Allez, on vient. Allez, on vient voir. Allez, on vient voir papa. Allez, on vient boire. Allez, on vient. Oies cendrées, bernache nonnette, ces oies sont celles de François Proie. Il y a 3 ans, ce pilote du LM a fait un pari un peu fou, celui de voler avec des oies. Nous, on mélange un petit peu différentes espèces ensemble. Donc les comportements ne sont pas toujours les mêmes. Les vitesses de vol, les caractères. Et donc on s'adapte un petit peu et on apprend un peu tous les jours. Allez. François entraîne ses oies tous les matins depuis leur naissance. Voilà, bravo, bravo. Les plus jeunes ne savent pas encore voler. Allez, on vient. Il les habitue à l'ULM. On appelle ça l'imprégnation. C'est pas très compliqué l'imprégnation, c'est ce genre d'entraînement tous les jours pour arriver à les habituer à cette machine. Et c'est mieux qu'elle soit dans les roues, qu'elle soit à 10 mètres de la machine et qu'elles en aient peur. C'est vraiment signe que l'imprégnation est déjà bien démarrée et que voilà, ils n'attendent plus qu'à voler maintenant et ça va très bien marcher. Quoi. François et ses oies s'envolent. Là-haut, la tête dans les nuages, il réalise le rêve d'Icare, celui de fendre les airs comme un oiseau. Elles sont humanisées, hein, le fait de vivre avec nous. Elles ne vont pas faire la migration, donc c'est les parents qui entraînent les enfants à faire la migration. Nous, on ne va pas le faire, donc elles vont rester avec nous. Si j'avais envie de les emmener au Groenland, ça ne serait pas un problème, elles me suivraient jusqu'au Groenland. Aussi les fleurs. Ouais, bonne journée. Hein. Ouais. Bonjour Ismaël. Hey, salut Olivier. Comment ça va? Ça va et toi? Bienvenue à Kaysersberg. Ben, merci. Bon, avec ce beau temps. Écoute, c'est formidable. Encore un beau village alsacien là. Voilà, c'est ça. Je me régale depuis que je suis arrivé. On va aller faire un petit tour. Bah oui, carrément. Bah, tu vois, je suis venu à Kaysersberg justement pour goûter à ce qui se fait de mieux au niveau gastronomie, cuisine en Alsace. Enfin, c'est un village qui a cette réputation. Oui, il y a plein de petites Wienstube où on mange plein de plats typiques régionaux. Mais c'est quoi les Wienstube? Alors la Wienstube, littéralement, c'est pièce à vin. Pièce à vin. À l'époque, quand le vin était prêt, ils allaient dans ces endroits pour goûter le vin. Et naturellement, ils mangeaient un petit morceau, c'est-à-dire charcuterie, tarte à l'oignon et tout ça. Et que c'est devenu des locaux commerciaux, quoi. Donc c'est une espèce de brasserie très typique. C'est ça. La Wienstube, ce qu'est le bouchon lyonnais sur Lyon, quoi. Ok. Voilà. Il y a plusieurs restos étoilés et toi, tu es un des chefs qui font vivre ces restos étoilés, c'est ça? Ben, disons que moi, je suis un des chefs pas dû à mon âge et puis dû à ma position. Enfin, je suis un des chefs emblématiques de la vallée de Kaysersberg. Parce qu'on a 2 étoiles, puis parce qu'on défend le terroir, et puis parce qu'on est très locavore, on va dire, dans le choix des produits. Locaux, quoi. Voilà, ouais. Tu vois, on arrive sur le pont fortifié, regarde comme c'est beau. Ah oui. Tu vois, c'est juste magnifique. Ce qui est admirable, c'est que tout le monde fait l'effort d'embellir sa façade. Mmh. Autant au printemps qu'en été avec les géraniums, qu'en hiver avec Noël et au marché de Noël, c'est féerique. Hein. C'est un village qui est complètement féerique. C'est pour ça qu'on s'y sent bien, on va dire. Là, tu vois, ça recèle de plein d'endroits magiques. Là, monsieur, il vend des coucous de la forêt noire. Alors, alors moi, quand j'ai un cadeau à faire, je vais offrir ce petit coucou. C'est quelque chose qui est nostalgique. Et toi, alors, Olivier, t'es un enfant du village ou...
Absolument pas. Une valeur ajoutée. Oui, c'est un peu ça. Je suis franc-comtois et puis j'ai travaillé dans des grandes maisons type l'Auberge de Lille et Schillinger à Colmar. Voilà, je suis arrivé plus jeune. Et je suis resté, je me suis marié avec une Alsacienne, j'ai eu des enfants. Et... Donc tu vis une vraie histoire d'amour avec l'Alsace, quoi, au sens propre. Oui, une vraie découverte en tous les cas, une vraie passion hein, pour le village et pour la tradition alsacienne. J'aimerais te présenter un forgeron, Frédéric, c'est un véritable artisan. Génial. Et puis c'est la pleine saison des myrtilles en montagne, on va aller faire une petite cueillette. On fera la cuisine derrière avec ça. Blason du forgeron. Ah oui, ok. Ah oui, c'est la cigogne revisitée. Oui, l'Alsace sans les cigognes, c'est plus l'Alsace. Hein. C'est plus l'Alsace. Hein. Mais je t'en fais, chef. Qu'est-ce que je fais, je tape là-dessus? Allez, vas-y, Olivier. Non, mais plus fort. Ah, je peux essayer? Bien fort, hein. Plus fort. Ah, une seule fois. Ah, pardon. Je l'ai cassé. Non, c'est bon. Ouais, non, il a pas marqué. Ismaël, t'es pas bon, hein. T'es comme moi. Ouais, c'est ça. Le chef, il a fait passer un savon, t'en as grave contre lui. Bam. Ah, mais j'aurais dû penser à ça. Mince, oh, tu me le diras la prochaine fois. Un coup sec. Allez, montre-nous ce que c'est qu'un coup sec. Oui. Ah oui, c'est ton blason, en fait, Fred, c'est ça? Ouais, c'est mon logo. Ben, on a l'enclume, la forge, la clé avec le tournevis et la roue entière. Ça représente la construction mécanique. Et tu peux m'expliquer comment tu construis une cigogne, alors? À la base, je pars d'un lopin de fer. Alors, on a trois cigognes, la petite, la moyenne et la grande. Pour une petite cigogne, on va mettre environ une demi-heure pour la forger. En unité, une grande, presque une heure. Sans venir faire réparer une pièce ici, j'ai vu ces cigognes dehors et puis j'ai dit, tiens, ça, faut que j'expose à l'hôtel parce que les gens qui repartent de là, c'est un souvenir incroyable. Tu repars sans ta cigogne. Puis évidemment, tous les enfants sont amenés par des cigognes ici. C'est bien connu. C'est la tradition alsacienne. Et tout ça, ouais, c'est porté par la cigogne. Ah oui, oui, oui. J'aime bien parce que tu vois souvent ce qu'on achète en décoration un peu industrielle, ça n'a pas d'âme, quoi, ces produits à la chaîne. Là, on sent qu'il y a le travail d'un homme, d'une personne. T'as mis ton cœur, en fait, dans cet ouvrage, quoi. Exact. Ouais. C'est ça que je trouve beau. C'est superbe ici, Olivier. Ça change vraiment du village. Ouais. Ouais, bah tu vois, on surplombe le village de Kaisersberg et on est tout en haut de la vallée. À cette période, on va trouver la myrtille, on va trouver des baies de genièvre. Ce qu'on aura besoin en cuisine tout à l'heure, à vrai dire. On n'a pas besoin de quantités astronomiques. Ah, faut être méticuleux, hein, pour pas les abîmer. Mais si tu veux de la fraîcheur dans ton assiette, faut venir tous les matins, quoi. Voilà. Le plus possible. Ce qu'il faut faire, c'est comme la pêche, pratiquement. C'est, tu prends et tu vas dans l'assiette directement. Pour être honnête, j'en mange une sur deux, là, mais... Mais c'est bon, hein, non? Oh là là, ça explose en bouche, avec ce décor en plus. Le gibier, quand il vient manger un petit peu ça, il s'en nourrit, il s'enivre également de ce fruit ou de temps en temps de ses baies. Ben moi, ce que j'essaye de faire, c'est récupérer sa nourriture pour le remettre sur assiette derrière. Tu recrées son univers, quoi. En gros, c'est ça, ouais. C'est formidable. L'émotion d'avaler de Kaisersberg. Voilà, c'est ça. Toute l'émotion de Kaisersberg. Bon alors, comment on va cuisiner tout ce qu'on allait chercher ce matin? J'ai choisi du chevreuil. Hein. Et j'ai fait une chose qui est un peu particulière. Je coule mon carré de chevreuil dans de la cire. C'est de la cire d'abeille? Ouais, c'est de la cire d'abeille. Et ça va me permettre de maturer ma viande et de lui donner beaucoup plus de caractère. Et ça doit faire son effet quand tu arrives quand même et que tu dis carré de chevreuil dans sa cire d'abeille de la maison. Ah. Puis ben, on va ramener un petit peu de notre myrtille et nos airelles. C'est comme une coquille d'œuf, hein, regarde. C'est étonnant. J'ai jamais vu de la cuisine à la cire d'abeille. Ça sent bon. Ça sent le genièvre, c'est incroyable. Maintenant, l'envie, c'est de lui laisser ce goût de genièvrier, de sapin. J'adore le craquement de la braise, là. Et tu le mets sous cloche? Juste la surface de la viande, avec toute la petite délicatesse qu'il faut, de verdure et d'amertume.
petits champignons, de petits oignons fans, l'épaule qui est confite sur la petite brochette de sapin, mes côtes de chevreuil, un gel de bourgeon de sapin, mon petit jus de viande. L'important, c'est ce qu'on a aussi cueilli nous ce matin. Ah bah oui. Les rêles et puis la myrtille. Bon alors, on va goûter ça. Et là, c'est plus de la cuisine, c'est de la magie. Hein. C'est de la magie. Tu ressens vraiment le goût du chevreuil. Et ce que tu disais, c'est une viande qui a du caractère. En fait, j'ai l'impression d'avoir dans le palais la sensation qu'on pouvait avoir quand on allait cueillir les airelles et tout ça dans la montagne, tu vois. Si t'es d'accord, je vais t'emmener chez moi hein, pendant quelques temps pour, pour m'apprendre à cuisiner. Apprentissage. Un peu. L'Alsace est peut-être la seule région de France où les habitants naissent dans les choux. Des choux que l'on trouve partout autour des villages et dans toutes les assiettes. Si la choucroute est l'emblème de la région, elle fait particulièrement la fierté de Geispolsheim. Il y a des bétonnières, il y a des clous de girofle, il y a et l'infusion. On fait une infusion avec 5-6 sortes de baies. Il y a un petit secret en épices, ça, je peux pas vous le dire. Hein, ça, en fait, depuis des années que je fais cette choucroute, depuis, ça, elle restera dans ma tête. Même mes collègues ne le savent pas. Non. Henri garde jalousement ses secrets de fabrication, ce qui ne l'empêche pas de voir grand. Aujourd'hui, il va préparer plus de 2000 repas, près d'une tonne de choucroute. Car Geispolsheim fête aujourd'hui le plus célèbre des plats alsaciens. Et tout le village est sur le pont. Ici, on cultive le chou depuis des siècles. Depuis, dit-on, que les Huns ont amené avec eux, de Chine, ce légume plein de vitamines qui devait maintenir les guerriers en pleine forme. Le village a le privilège d'organiser la première fête de la choucroute de la saison. Des semaines de préparation. Le temps nécessaire pour couper des centaines de choux et faire macérer la choucroute dans ses cuves. Ah ouais, elle est belle. Pour célébrer ce patrimoine culinaire, Geispolsheim se pare de ses plus beaux atours. Costumes, chars, tout doit être parfait, car il existe une vieille rivalité avec le village voisin, Krautergersheim, qui se revendique capitale de la choucroute. Mais non, mais la capitale de la choucroute, ça n'a rien à voir. Ça, c'est, je ne sais pas, autoproclamé, tu disais ? Ils se sont autoproclamés. Enfin, d'après moi, à nous de voir qui est effectivement la capitale de la choucroute. Je vais avoir la guerre, mais c'est pas grave. Loin de cette gentille querelle de clocher, Jean-Michel, producteur de choux, prépare le char de tête, très concentré. On a un petit peu la pression parce que à la fête de la choucroute, c'est le char le plus emblématique. Donc on se dit, il faut vraiment qu'on réussisse à faire un beau char qui représente le mieux la fête, quoi. Et du coup, voilà, on s'applique, on y consacre pas mal de temps. Oula, attends, Michel, on n'est pas aligné. Ah, comme ça, on est bon. Là, on est bon. En plus, c'est trop petit. Trop petit. C'est aussi l'heure des derniers détails dans la salle des costumes. Ici, on n'oublie jamais de transmettre le sens des traditions aux jeunes générations. Moi, je participe depuis que je suis enfant. Et le fait que ma fille, que mes enfants puissent participer, je suis très contente. Non, ça, c'est un levantier qui autrefois servait de soutien-gorge, mais aussi de cache-trésor, puisque les demoiselles y cachaient leurs lettres d'amour pour les porter plus près de leur cœur. L'histoire des villages d'Alsace se lit sur ces costumes. Chez les protestants, les femmes portent traditionnellement un nœud noir. Mais Geispolsheim est un village de tradition catholique et ici, les coiffes sont rouges. À l'approche du déjeuner, les rues du village s'animent. Et c'est le coup de feu en cuisine. Tout le monde veut goûter la choucroute nouvelle. Aidé par une brigade de bénévoles, Henri envoie un millier d'assiettes en un service, une prouesse. On fête la choucroute dans la salle des fêtes ou en plein air.
La choucroute, elle est superbe. Les knacks, un délice. Et la bière, à la bonne température. Et de belles serveuses qui nous servent. On reviendra. Ah voilà, c'est ça la choucroute alsacienne. Hein. Là, elle est super. La choucroute a toutes les sauces. Au poisson ou en salade. Ou encore une combinaison 100% alsacienne, la flammekuche à la choucroute. Alors, c'est comment ? Très bien, super bon. La meilleure choucroute du coin. Ah ouais, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on est venu. Elle est terrible. Hein. Ça, c'est la neuf, donc la date devant. Nicole, la responsable du cortège, est dans les starting blocks. J'ai besoin de ma montre et ils veulent que j'enlève tout. Ah, les traditions, les traditions. Et ça aussi ? Aussi ! Bon, voilà ! Heures, le cortège commence. Un défilé folklorique qui fait toute la fierté des habitants de Geispolsheim. Fiers de leur histoire, mais aussi et surtout d'avoir tous ensemble à nouveau relevé ce défi. Donc c'est un beau succès de nouveau. La choucroute a été très bonne. Le public est également là. Et vu qu'il en redemande, bah on est tous contents, quoi. Des saligots. Ouais, ouais, c'est important pour le village parce qu'il y a énormément de bénévoles qui se mobilisent autour de ce projet. Et c'est vraiment aussi un moment d'échange, de lien entre les gens, quoi. Allez, ouais. Il était une fois Martala et Katel, deux mariés alsaciens des années 30, dont l'amour est aussi célèbre dans la vallée de Münster que celui de Roméo et Juliette. Chaque année, un couple se marie en leur honneur lors d'une grande fête populaire qui fait vivre cette tradition rurale bien ancrée. Au programme, costumes, musique et danse traditionnelle, arrosée bien évidemment de bon vin et de plats typiques, un condensé festif de l'Alsace. Sébastien ? Oui. Ismaël ? Bonjour. Salut. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Pas trop stressé ? Non, un petit peu. Bon, je vous ai ramené le petit-déj, les mariés. Impeccable. Avec un beau kougluf. Fabriqué avec amour pour vos 20 ans de mariage. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Merci. Mmh. Ah, oui, bon. C'est craquant et puis on sent bien les petites amandes. Mmh. C'est bon. Les amandes, c'est pour la fin. Ah. C'est ce qui est meilleur. Dis donc, t'as un beau costume, Sébastien. Oui. Le costume traditionnel du mari, de la vallée de Münster. C'est des costumes qu'on portait dans l'ancien temps, ça, j'imagine. Dans les 1930. Ah oui, quand même. Au siècle dernier, on portait encore ces costumes-là. Oui. Donc là, la noce, ça va être tout le monde en costume traditionnel et, voilà. Et on revit un mariage des années 30. C'est ça, voilà. Superbe. On s'est dit, tiens, pourquoi pas faire nous les mariés une année. Et on a profité pour nos 20 ans de mariage, de le faire. Et le chapeau te va très bien. Merci. Faut juste changer les chaussures. Oui, parce que... ça va être. Sors.
je suis vraiment profondément heureux, même un peu ému, de vous accueillir en cet instant. D'abord, vous, Christelle et Sébastien, les mariés du Frankenthal, qui en plus marquaient aujourd'hui vos 20 ans de mariage. Sébastien, veux-tu continuer de donner le meilleur de toi à Christelle tous les jours de ta vie ? Oui. Et toi, Christelle, veux-tu continuer de donner le meilleur de toi à Sébastien ? Oui. Tu vois, des fois, les traditions comme ça, on a l'impression que ça s'adresse aux gens plus âgés, pas aux adolescents, quoi. Chez nous, en Alsace, c'est tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de fête pour les plus âgés, pour les plus jeunes. C'est tout le monde vient, tout le monde partage. Par exemple, on a beaucoup de fêtes au village chez nous et c'est en costume. Il y a le groupe qui est là, il y a des tracteurs, des vaches, des chevaux. En tout cas, c'est vraiment une de mes découvertes, tu vois, dans ce voyage en Alsace. C'est que les traditions, elles sont vraiment très ancrées pour les gens. Et faire péter les bouchons aussi. Les bretzels, le kouglof, la brioche, le vin blanc, la bonne humeur et la musique. Ça donne un côté hyper enthousiasmant, je trouve, quand on visite Alsace. Qu'on vienne d'Alsace, d'Auvergne, je sais pas, mais on doit tous avoir cette petite nostalgie de tradition qui doit rester quand même. Encore au moins 20 ans d'amour comme ça. Hein. Moi, je veux revenir pour les noces d'émeraude. Je crois que 40 ans, c'est noces d'émeraude. Les villages d'Alsace recèlent 1000 trésors. C'est ce patrimoine qu'un groupe de passionnés met en avant depuis presque 40 ans à l'écomusée d'Alsace. Ici, les visiteurs plongent au cœur d'un village du début du XXe siècle. Guy Machy est charpentier de métier. La construction des maisons traditionnelles n'a pas de secret pour lui. L'architecture, ben, ça dépend d'où on se trouve. Si on se trouve en plaine, si on se trouve dans le vignoble, le pays où c'est beaucoup plus riche. Donc effectivement, si j'ai plus d'argent, je peux mettre plus de décors sur la maison. L'écomusée compte plus de 70 bâtiments sauvés de la destruction pour être remontés à l'identique sur le site. Chaque édifice témoigne des techniques des charpentiers au fil des siècles. Ils étaient maîtres dans la construction des maisons alsaciennes. Dans la charpente, il y a certaines personnes qui vous disent il y a de la symbolique. Oui. Quand il y a des chaises curules, ça voudrait dire qu'il y a un magistrat qui habite là-dedans. Il y aurait des gens qui disent qu'autant de croix sur la façade, autant d'enfants souhaitaient. Ensuite, nous avons aussi le losange. Si vous voulez qu'un cadre ne se déforme pas, ben vous lui mettez quatre petites barres, ça forme un losange. Là-dedans, il y a des gens qui voient la matrice de la femme. Alors mettez-y une croix encore dessus, ça veut dire, oui, effectivement, multiplier pour avoir plus d'enfants. Donc c'est des symboliques qui sont arrivées, soi-disant, après 1870 avec les Allemands. La maison alsacienne se construit en bois, un matériau que l'on trouve en abondance dans les forêts vosgiennes, moins cher que la pierre. La scierie du musée fonctionne sans électricité, uniquement grâce à la force de l'eau. On y fabrique des pièces destinées à l'entretien des bâtiments. C'est une scie dite alternative. Et elle nous date du début du XXe siècle, très exactement de 1905. Donc une belle bête, hein.
Donc c'est tout, tout à corps en fonte et on voit qu'il y a plusieurs lames. Donc effectivement, on peut faire les sections qu'on veut, qu'on ne trouve pas actuellement dans le commerce. Hein. C'est pour ça que c'est une mesure spéciale. Hein. En Alsace, les savoir-faire traditionnels sont nombreux et chaque village a sa spécialité. Wingen-sur-Moder, en Alsace du Nord, abrite une des plus prestigieuses maisons de luxe française, la Lick. La marque est aujourd'hui célèbre pour ses pièces uniques en cristal. Depuis plus de 130 ans, les mains expertes des maîtres verriers y opèrent dans les ateliers avec des températures extrêmes. Le cristal doit être chauffé à 1400 degrés pour pouvoir être travaillé. C'est passionnant, puisqu'on découvre tout le temps d'autres manières de faire, avec cette matière qui est vivante. Donc quelque chose qui est vivant à ses habitudes, et puis il faut s'y adapter surtout. Hein. Le respect de la température est surtout important. Ensuite, une bonne vision aussi pour voir les défauts où ils se trouvent. Un peu de dextérité quand même. La fabrication d'une pièce nécessite parfois plus de 40 étapes. Un travail collectif pour lequel chaque savoir-faire compte. Une fois refroidies, les pièces sont minutieusement sculptées, une phase qui nécessite une grande expérience. Xavier travaille chez la Ligue depuis 25 ans. Aujourd'hui, il retouche une pièce qui demande beaucoup d'attention, des chevaux en liberté. Il faut refaire leurs cheveux, refaire les oreilles, créer, bien sûr, devant les narines, la bouche. Il y a pas mal de détails à refaire là-dessus, oui. Et vu que c'est fait main, bien sûr, c'est la vraie sculpture pour nous, quoi. Ça demande aussi beaucoup d'expérience, hein, de métier de travail. Hein. Ce qui est surtout délicat, c'est surtout l'ouverture des pattes, comme on voit là. Hein. Et après, faire très, très attention, parce qu'une fois que c'est ouvert, c'est fragilisé. Une moindre cognure, la patte peut tomber. Hein. Il m'est déjà arrivé. Mais bon, ça, c'est le risque du métier, comme on dit. Hein. Objets d'art, vases, luminaires, ces pièces ont fait la réputation de la Lick dans le monde entier. Mais les maîtres verriers ne sont pas les seuls à maîtriser un savoir-faire 100% local. Le village de Soufflenheim est le berceau de la poterie artisanale. Une quinzaine d'ateliers y perpétuent cette tradition depuis 1870. Christian Hauswirth est à la tête de l'un d'entre eux. Ça, c'est un moule des mini Kuglopf, plateau Kuglopf. Il se sert de l'argile extraite directement du sous-sol de la forêt de Haguenau qui borde le village. C'est une argile qu'on utilisait ici depuis plusieurs centaines d'années. Et c'est grâce à cette argile que Soufflenheim a une telle réputation au niveau de ses poteries culinaires. La qualité de la terre de Soufflenheim est unique. Elle résiste à des températures très élevées. Cette argile a la particularité d'être poreuse et elle respire. Ça fait respirer les aliments quand on les cuit et ça donne un goût particulier aux aliments qu'on cuisine. Cet art ancestral a contribué au développement et au rayonnement de la tradition culinaire alsacienne. Quand on achète la poterie de Soufflenheim, on achète une partie d'Alsace, un savoir-faire local reconnu depuis plusieurs centaines d'années, et l'identité alsacienne. Les potiers de Soufflenheim s'inscrivent dans une tradition ancestrale qu'ils veulent préserver à l'ère moderne. Certains ont donc décidé de réaliser des poteries au design plus contemporain. Depuis toujours, les savoir-faire alsaciens ont évolué avec leur temps. Grâce à cela, ils ont contribué au rayonnement de la culture alsacienne. Et Christian, on n'est pas bien là ? Nickel, fantastique. Regarde-moi ça, c'est le vrai temps pour marcher ça. Et puis la forêt, les lamas. On pouvait pas rêver mieux. Et comment ils s'appellent ces deux lamas alors? C'est Pichu et Lola. Pichu comme le Machu Picchu? Voilà, exact.
référence au Pérou, le fief des lamas. J'arrive, Christian, hein, mais en même temps, il s'arrête toutes les 30 cm. Ah ben, il a que ça à faire. Allez, viens. Viens là. Et là, alors, tu m'emmènes où? Alors, ici, on va aller à Blancherue, le petit village d'Alsace, 35 habitants. C'est le village où tu es né ou bien... Je suis arrivé dans le coin ici en 98. 98, ouais, ça fait plus de 20 ans que tu es là quand même. Tout à fait. Alors comment tu t'es retrouvé dans le coin? Oh là, je suis venu de ma Belgique natale. Tu me disais que j'avais un petit accent, ouais. À l'époque, j'étais dans la restauration, donc comme tout le monde, je voulais voir le soleil, la mer. Je suis descendu dans le sud, à Montpellier, pendant 5 ans. Et puis voilà, j'avais fait ma petite expérience là-bas, je voulais remonter chez moi. Et en montant, je me suis dit, oh, je vais une fois m'arrêter en Alsace. J'entendais toujours parler de l'Alsace, même dans le sud. Je me suis dit, je ne connais pas cette région, je vais m'arrêter. Je suis arrivé à Strasbourg. Et regarde, je ne suis jamais remonté, en fait, je suis resté ici. Ah oui, tu as eu un vrai coup de poudre pour le coin, quoi. Tout à fait. Regarde, je te suggère, on va faire une petite pause ici. Regarde cet endroit, si ce n'est pas merveilleux. Ici, en dessous, tu as le village de Foudet. D'accord. Là-bas, tu as le champ du feu, l'apéreux, comme on appelle ici, d'après la légende, où brûlaient les sorcières, là-haut, au Moyen-Âge. Ah oui, grosse ambiance. Et puis là, en face, tu as le Donon, le petit Donon. Et là-bas, derrière le Donon, ben, tu as la Lorraine. OK, la Lorraine est derrière ces collines. Tout à fait. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour voir des belles choses. Non, c'est vrai. Et alors, toi, tu es éleveur de lamas à temps plein, c'est ton métier? En fait, je travaille pour une filiale de La Poste, 3 jours par semaine. Et le reste du temps, effectivement, oui, je m'occupe de mes animaux. J'organise des balades avec les touristes, avec les locaux, beaucoup d'écoles, des handicapés. Je pense que le lama est un très bon médiateur, en fait, entre l'animal et ça motive les gens, en fait. Écoute, c'est idyllique, cet endroit. Hein. Je marche dans une superbe forêt accrochée à la montagne avec des lamas. Jamais je n'aurais imaginé vivre ça en Alsace. J'ai hâte de découvrir Blancherue, l'infiniment petit Alsacien. On dit souvent qu'il subsiste une entraide et une solidarité forte dans les petits villages. Ah, oh, c'est mignon ça! Moi, j'ose pas faire ça, hein. J'en suis pas encore là. C'est ton pote, lui? Oui, c'est lui. Très jolie, Blancherue. Magnifique. C'est vraiment différent des autres villages que j'ai vus, par exemple Eggisheim, tu vois. Oui, mais c'est pas comparable. Là, c'est plus le petit village de montagne, ben oui. Un peu plus austère, oui. Mais plein de charme par le décor qui l'entoure. Ben oui. Bonjour. Enchanté. Madame Chalecker. Ismaël. Bonjour, madame. Monsieur le curé. Bonjour. Monsieur le curé. Bonjour. Bonjour. Et c'est la petite église du village, alors, voilà. De Blancherue. Vous avez dit qu'elle était belle, non? Oui, on nous avait prévenu. Et ça fait longtemps que vous habitez ici, monsieur le curé? 5 ans. Et ça va, ça vous plaît? 5 ans, bah, vous le constatez. Hein? Je rayonne, n'est-ce pas? C'est pas faux. Vous arrivez... On est dans un beau paysage comme ça, forcément, on est très heureux. Ouais. Vous avez toujours vécu dans le village? Enfin, j'ai voyagé dans le village. Voyagé dans le village? J'ai voyagé dans le village. J'habitais au bas du village, au numéro 4. Je suis devenu au 31. Je suis parti au 9. Je suis reparti au 4. Et maintenant, je suis au 14. Ouais, ça, c'est pas mal. Ah, vous êtes une grande voyageuse, ah, alors. Oui. Hein. Dis donc, autant de numéros dans une vie. Et vos enfants sont ici? Oui, ma fille, elle est là. Elle est ici. D'accord. C'est le maire du village. Ah oui, donc vous êtes vraiment bien implanté. Oui, oui. Et les oui. enfants reprennent le flambeau, alors. Voilà, c'est ça. Oui. C'est chouette. On dit souvent d'ailleurs qu'à Blancherue, il n'y a rien sauf l'essentiel. Et cet essentiel, bien sûr, c'est la beauté de la création, hein, qui d'ailleurs voilà, nous fait énormément de bien et qui attire aussi peut-être. Maintenant, avec la crise écologique, on est plus attentif à tout ce que la nature nous donne. Oui, il ne faut pas trop que ça se sache parce que vous êtes 35 aujourd'hui et vous allez être 350 à l'arrivée. Tout le monde cherche la fraîcheur aujourd'hui. La preuve, c'est que vous êtes venu ici, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est beau, non? Ah oui, c'est extraordinaire. Voilà. Ça y est, retour à l'écurie. Et le retour, regarde, il y a toute la famille qui les attend là. Ah oui, on a un joli comité d'accueil. Hein. Oh là là, regarde là, il y a même ta fille qui est là, qui t'attend.
Salut la famille. Allez, hop, je la lâche. Hop, vas-y. Tiens, je te passe Pichou. Salut mon grand, merci pour tout. T'as l'air de sacrément les aimer quand même, ah bah toutes oui. Tes bêtes. Hein. Ah bah oui. Ah mais j'adore mes animaux. S'ils vont pas bien, je vais pas bien. Je sais pas, c'est un bonheur pour moi quand j'arrive là, je siffle là, ils viennent tous. Ouais. Papa, papa. Mais c'est vrai, hein, on s'est à peine approché que tout le monde est venu te voir, quoi. Voilà ma modeste demeure. Je sais pas toi, mais moi j'ai soif. Je t'invite à prendre un pot. Ah bah avec grand plaisir. J'imagine que se lever ici tous les matins, ça doit être pas mal. C'est clair. Le matin, tu prends ton petit-déj, tu vois les chevreuils là, en face, dans le talus. Bien sûr que c'est super. Blancherue, pour toi, c'est le plus beau village d'Alsace, alors. Ah bah oui, c'est sûr. C'est marrant parce que je pose cette question à tous les gens que je rencontre depuis le début. Mm-hmm. Et tout le monde pense que chez lui, c'est le plus beau village d'Alsace. Donc moi, je prends pas parti. Hein. Ouais. Je vous crois tous. Bah oui. Heureusement que chacun croit que c'est le plus beau chez soi, non? Je pense, ouais. T'as raison. À 30 km au sud du Kaysersberg, au cœur de la plaine d'Alsace, l'ancienne cité minière d'Ungersheim n'est pas réputée pour être un des plus beaux villages de la région. Mais la petite bourgade est sans aucun doute la plus verte. Allez, on va marcher. Aujourd'hui, les enfants du centre aéré sont aux anges. Ils ont le droit de faire un tour en calèche. Aux commandes de Kozak, Sébastien, un agent municipal qui a suivi une formation à la conduite d'attelage. Car à Ungersheim, le cheval a imposé son pas dans les rues du village. Pendant la période scolaire, tous les midis et à 13h, on cherche les enfants à l'école, on les ramène chez eux. Et ensuite, à 13h, on va les récupérer à la maison et on les redépose à l'école. Chaque jour, on fait un circuit différent dans le village. Ça permet à tous les enfants du village de pouvoir profiter de la calèche. C'est pour limiter les déplacements des parents, quoi. Et limiter le bilan carbone. C'est rien, gamin. Hop. Tu le connais, lui. Cela fait 11 ans que la mairie a lancé ce système de ramassage scolaire écologique. Au début, ouais, on pensait que c'était un peu farfelu comme idée, mais finalement, c'est habitué et puis c'est bien, c'est sympa. Les enfants, en tout cas, ça leur plaît, ça c'est sûr. Le cheval est la partie la plus visible de toute une série d'initiatives écologiques. Derrière ces réformes, Jean-Claude Mensch, le maire, qui achève son cinquième mandat. En ce moment, le gros chantier de la commune, c'est l'école primaire. L'isolation du bâtiment est en train d'être complètement revue. Mais ici, pas de polystyrène, issu du pétrole. On lui préfère un isolant naturel, en bois compressé. Bonjour messieurs, ça marche comme vous voulez? Ça va, oui. Pour l'instant, ça va quoi? Les ouvriers aussi doivent s'adapter à ces matériaux écologiques. Il est plus dur que le polystyrène, il travaille moins bien. Niveau collage, c'est plus dur. Niveau perçage, c'est plus dur. Ouais. On va transformer cette école en école positive. C'est-à-dire, elle consommera moins d'énergie qu'elle en produira. Alors pour ce faire, il y a deux opérations. La première opération consiste à avoir une belle isolation extérieure pour garder l'inertie des murs intérieurs. Et aussi, sur la toiture, une installation sans doute de 36 kW de puissance de panneaux photovoltaïques. Donc, globalement, sur l'ensemble, très peu d'énergie utilisée. Et le peu d'énergie utilisée sera compensé par l'installation d'une production d'énergie sur la toiture. Des panneaux solaires sur un bâtiment communal. Une habitude à Ungersheim. Dès l'an 2000, le village décide de diminuer sa facture énergétique en produisant sa propre électricité, verte de surcroît. C'est le début des réformes. L'éclairage municipal est rationalisé, les pesticides abandonnés et le cheval impose sa silhouette dans les rues du village. Le tout sans augmenter les impôts communaux. La transformation d'Ungersheim se voit aussi dans les champs qui l'entourent. Depuis quelque temps, Kozak a hérité d'une nouvelle mission.
C'est là où on voit la puissance quand même. Hein. Cheval de trait. Un agriculteur qui a 1000 hectares de blé qu'ils veulent faire avec un cheval, bien sûr, c'est ridicule parce que il va le temps de finir sa parcelle de 1000 hectares, ce sera déjà l'hiver. Là, c'est totalement pertinent d'utiliser l'attraction animale. Cette parcelle fait à peine 2 hectares et demi. C'est la régie municipale agricole d'Ungersheim. Un champ communal dont le but est d'approvisionner la cantine scolaire en légumes bio et locaux. Moi, je trouve qu'en France, on est un formidable pays agricole. On peut faire du local, on peut donner aux enfants de la nourriture qui viennent juste à côté de chez eux. Je vois pas pourquoi on devrait laisser ce marché à des très grands groupes de l'agroalimentaire qui vont faire venir, pour des questions de coûts et de profits, des aliments qui viennent du bout de l'Europe. On va prendre à peu près tout ce qu'il y a, ce gabarit-là. C'est très simple. En fait, la courgette, il suffit de visser. Hop, et ça vient. Kenji, le maraîcher, est employé par la mairie. Toute l'année, il est seul dans son champ. Mais en ce moment, il reçoit le renfort des jeunes du village en job d'été. Ouais, je préfère qu'être enfermé dans un bureau toute la journée. En plus, Kenji nous apprend à comment couper les légumes, à les ranger, à bien les présenter aux clients. Donc c'est intéressant. Aujourd'hui, la production permet déjà d'assurer 30% des besoins de la cantine. Et l'objectif, à terme, est d'atteindre les 70%. L'Utopie En Marche crée une dynamique dans le village. Le conseil participatif a par exemple eu l'idée de lancer un marché du terroir, une fois par mois, pour animer le centre-ville. Écoutez, Ungersheim est de toute façon un village, pas comme les autres. Quelque chose qui se passe. Un dynamisme qui rend le village de plus en plus attractif. Angélique, elle, n'est pas originaire de la région, mais c'est ici qu'elle a choisi de vivre. On a une vie finalement de village qui perdure et qui se renouvelle. Tout ce qui se passe donne une certaine impulsion à une vie de communauté, je trouve. Et ça donne envie aussi de participer du coup et d'être finalement acteur de ce qui se passe dans le village. Pas simplement passif à regarder ce qui se passe autour de soi, mais vraiment de rentrer dans le jeu et puis de faire aussi sa petite part finalement dans la transition du village. Angélique n'est pas un cas isolé. Ces 5 dernières années, la population d'Ungersheim a augmenté de 10%. Un village en transition et assurément un village vivant. Thierry, alors où est-ce qu'on est là? On est sur la petite île de Vino. C'est une réserve naturelle. On est entre la France et l'Allemagne. Ah, donc là, on est dans un des bras du Rhin. Un petit bras du Rhin. On est une petite association de bateliers et on emmène les gens faire la sortie sur notre petite île pour découvrir la faune et la flore. On leur montre notre petit bijou qu'on a. Toi, Thierry, j'aurais jamais imaginé qu'après les beaux petits villages alsaciens, le château fort du Haut-Königsbourg, je me retrouve quasiment au beau milieu de l'Amazonie, mais en Alsace, quoi. C'est vrai, c'est sauvage, ça reste sauvage. Les arbres poussent, et puis après il faut se baisser. Bon, après si on frotte un peu, ça, c'est la nature. Hein. Ah, ça a touché un petit peu, mais ouais. T'as la tête dure. Ouais. Elles sont éclatantes, là, les fleurs de nénuphar. Tu observes bien, à mon avis, il y a même des grenouilles dessus. Ah oui, il y en a une petite, là. Je peux peut-être t'aider à pagayer, Thierry, si tu veux. Tu écartes un peu les jambes, tu tiens l'équilibre, que tu ne tombes pas dans l'eau et ouais. Tu y vas de n'importe quel côté. Allez, c'est parti, capitaine. Non, mais moi, je rattrape les erreurs que tu fais.
Et toi, quand tu n'es pas sur l'eau, Thierry, qu'est-ce que tu fais alors? Moi, quand je ne suis pas sur l'eau, moi, je travaille côté allemand, je travaille dans un grand parc de loisirs qui est Europa Park. Je ne sais pas si tu connais. Il y a des manèges et tout ça, non? C'est ça? Pardon, oui, c'est exactement ça, c'est des grands manèges. Mais si tu veux, je peux t'y emmener demain. Ah bah, ce serait avec grand plaisir. Ouais. Mais je vois que tu as le coup de main, là, c'est bon. On peut t'embaucher, là. Merci, Thierry. Tu fais ça comme un pro. Faut pas que ça t'empêche de pagayer non plus. Hein, ah bah même temps. Écoute, c'est déjà tu fais. Et ça maintenant, c'est que des ouvriers qui vont bosser. Des gens qui vont aller au parc. Quand tu vois ça, tu te rends compte qu'Europa Park, c'est un gros employeur de la région. Tous les matins, il y a ces allers-retours entre la France et l'Allemagne. Ouais, ouais, ouais. Je veux pas dire, mais on arrive en Allemagne, il commence à pleuvoir. Ah ouais. Il fait moins beau de l'autre côté du Rhin. Ah, j'aime bien ce moment, Thierry. C'est vrai? Il pleut sacrément là, quand même. Ça fait longtemps que tu bosses là, Thierry? Ça fait 40 ans, ma 40e saison. 40 ans? Oui. Bravo! Bah oui. T'as commencé, j'étais pas né. Ça se peut, ça se peut. Désolé. Et il y a combien de visiteurs qui viennent ici chaque année? Il y a entre 5 et 6 millions de visiteurs tous les ans. Sérieusement? Oui. Mais c'est le plus grand parc d'attractions d'Europe, non? C'est ça, c'est ça. Ouais, j'imagine que tu l'as vu s'agrandir, ce parc. Quand j'ai commencé, ce quartier était en construction. D'accord. Et donc, par après, ça s'est développé à une allure assez rapide. En tout cas, j'adore le contraste entre toi tout seul hier sur ton bateau, les petits canots, et ici au milieu de ces centaines de milliers de gens. C'est quand même quelque chose de spécial, ta vie. Oui, oui, mais je préfère quand même quand c'est calme, tu vois. C'est plus sympa, on va dire. On va où, là? On va contrôler les trains. C'est les trains du Grand 8, c'est ça? C'est du Grand Silverstar. Donc le matin, quand je viens, je contrôle les roues, si elles sont bonnes, si elles tournent. Il y a tout qui doit bouger, tu vois? Parce qu'ils montent et ils descendent, donc tout ça, faut que ça bouge. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Ah oui, c'est vrai, c'est pas le même bruit. C'est le plastique qui est lâché. Ah oui. On enlève la roue. T'es un mécanicien de Formule 1, toi. Tu passes au stand et on change les roues, quoi. On va dire ça comme ça, ouais. Et on va aller l'essayer après. Oh, si tu veux. Tu vas venir avec moi? Ouais. Et il va à combien, ce manège? Écoute, à la descente, on est à 130. Ah, quand même? Oui. Bon, bah... Départ. Bonne chance. Allez, une montée j'y de fois. J'y vais, mais j'ai peur. Une montée à 75 mètres. Et t'as vu, en plus, on a le ciel bleu. Ah, bah quelle chance, et... écoute. J'ai l'impression qu'on va s'envoler dans le ciel. T'as vu le château au Königsbourg où t'étais l'autre jour, juste à la pointe, là-bas derrière? Ah oui, là-bas. Tu vois le château? Vu sur toute l'Alsace. Ouais. T'as l'Alsace et t'as la forêt noire. Mais t'es tellement détendu par rapport à moi. T'as peur? Tu as vu les mouches là-bas? Allez. Oh mon Dieu. Il y a pas de mon Dieu, hein. Oh là là. T'as pas de chance, il y a que vers le bas. Regarde. Et hop là. T'as pas eu peur du tout, là? Bon. Eh ben, merci beaucoup. De rien, c'est moi qui te remercie. C'était génial.
Allez, un dernier grand bol d'air pour terminer ce voyage. C'est quand même extraordinaire, ces petits villages alsaciens. Ici, j'ai évidemment été subjugué par les lieux, mais aussi par l'excellence des savoir-faire qu'on y perpétue. Et puis, j'ai surtout rencontré des personnalités passionnées par l'Alsace et qui trouvent dans ces petits villages où les gens vivent plus proches les uns des autres, un terreau pour se réaliser, développer leur passion et vivre plus proche de leurs valeurs. Alors j'espère qu'elles vous auront inspiré si vous aussi vous voulez franchir le pas et partir vivre à la campagne. En attendant, vous pouvez retrouver mes échappées belles en Alsace sur le replay. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et très vite pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt !